droit. Venez, Marie-Thérèse. Souriez, ma fille, souriez. Et maintenant, monsieur, au cachot, là où vous méritez d'être. En route ! Maman, va-t'en. Allez, avancez ! Avancez ! Maman, va-t'en. J'espère au moins qu'ils vont nous mettre dans les mêmes quartiers que nous avions quand le comte d'Artois était... Parle pas ! Ah, vous aboyez ? Cet homme aboie ? Comment osez-vous ? Dame ! Mais quoi, que faites-vous ? Arrêtez ! Ne la touchez pas ! Ne la touchez pas ! Par ici, la dame, fais pas l'histoire ! Laissez-moi ! Où l'emmène-t-il ? Pourquoi ? Monsieur, je proteste ! Naturellement, monsieur Vaisseau. Ce que vous avez à dire maintenant n'a plus aucune importance. C'est moi. Maxime ? Comment tu peux travailler dans ce tumulte? C'est terminé, Maxime. Le roi est démis de ses fonctions. Il y a un conseil provisoire de 6 ministres. Danton est ministre de la Justice. Et tu dis terminé. Nous n'en sommes peut-être qu'au commencement, Camille. Il a fait un de ces froids, c'est... Allez, à toi, prends la garde. Au fond de ma conscience, je n'ai trouvé aucun réconfort. Je ne peux accepter la légalité de ce gouvernement. À Paris, je suis dénoncé comme un traître. À cause de mes opinions, moi, Lafayette. Messieurs, si en refusant de servir ces hommes, qui ont tout détruit en frappant la couronne et la Constitution, je suis un traître. Alors, laissez la calomnie triompher. Je n'ai plus ma place ici. Lafayette a déserté, sire, et les Prussiens ont pris l'Anhui. Il semble que rien ne les arrêtera. Dans 2 semaines, ils seront à Paris, et vous serez libres. Ce gouvernement ne se cachera pas dans la peur. Ce gouvernement va rester, se battre et vaincre. Peu importe comment. Peu importe ce que cela coûtera. Il faut combattre. Avec chaque homme, chaque fusil, lance ou épée, tout ce qui tombe sous la main. Et que celui qui osera montrer sa peur sache que la terreur est pire encore. Pourquoi moi? Pourquoi m'arrêter? S'il faut arrêter 30 000 traîtres, ils doivent être arrêtés demain. Pour vaincre nos ennemis, nous devons montrer de l'audace, encore de l'audace, et toujours de l'audace, pour sauver la France. Fabre, prends les arrêts de mort que j'ai remis à Camille et fais-en la liste. Camille, je veux savoir pourquoi je n'ai pas eu les rapports des commissaires spéciaux envoyés à Nevers et à Tours. Pitié pour mon fils! Je sais ce que tu ressens, Camille. Mais nous ne pouvons pas faire une guerre avec un second ennemi dans le dos. Mais c'est notre propre peuple. Non. Notre peuple ne veut pas revenir en arrière.
Notre peuple sait que nous devons gagner cette guerre à n'importe quel prix. Les aristocrates, les prêtres, les traîtres, les comploteurs dans nos prisons, tous attendent l'arrivée de leurs maîtres étrangers. Ce sera le signal de leur rébellion et leur ralliement aux forces du roi de Prusse. Mort aux traîtres ! Qu'à massacrer quiconque est suspecté d'avoir une sympathie pour le roi. Nom de Dieu, ce n'est plus une révolution. On tourne en dérision tout ce que nous avons essayé de changer. Tu m'écoutes? Mais oui, Camille, je t'écoute. Alors fais quelque chose! Faire quoi? Tu crois que je contrôle ces gens? Tu crois que quelqu'un peut les contrôler? Tu es le ministre, Georges. Oh oui, je suis le ministre. Oui, c'est vrai. Ce qui est arrivé est un outrage. Une insulte à la Révolution. Et à nous tous, ici. Mais nous devons faire la guerre. Et tous ceux qui, en France, jusque-là, conspiraient pour nous la faire perdre, sont aujourd'hui des hommes terrifiés. Aujourd'hui, il n'y a plus d'ennemis sur nos arrières. Et c'est un avantage. Je ne veux en aucun cas le perdre. Aujourd'hui, notre armée peut affronter les Prussiens sans craindre les amis du roi à Paris. Convention nationale élue par tous les Français se réunit pour la première fois. Je mets aux voix la proposition du citoyen Collot d'Herbois. Proclamer à la face du monde que la monarchie est abolie en France. Ouais.
que la nouvelle constitution de la République, élaborée par cette convention, soit soumise au peuple français comme un tout pour être approuvée. La motion est adoptée. Je propose. S'il vous plaît, citoyen Biot-Varenne, venez à la tribune. Je peux dire ce que j'ai à dire d'ici. Je demande qu'à partir d'aujourd'hui, tous les documents publics soient désormais datés de l'an 1 de la République française. Je demande la parole. Non, c'était à moi. Ah non, c'est mon tour. Moi, à moi. Je demande la parole. Pourrais-tu me rappeler ton nom, citoyen ? Saint-Just. Je représente le département de l'Aisne. Monte à la tribune, citoyen Saint-Just. Citoyen, citoyen, je suis de ceux qui, comme la plupart d'entre vous, donneraient avec joie leur vie pour cette République. Je suis de ceux qui, comme la plupart d'entre vous, ont fait et feront face à tout ennemi qui menacerait cette République. Je suis de ceux qui, comme vous tous, connaissent le nom et le visage de cet ennemi. Je suis de ceux qui, comme personne ici, sont prêts à abattre cet ennemi. Tant qu'il vivra, Louis Capet sera un signe de ralliement pour les traîtres qui continuent de se cacher parmi nous, et pour tous les ennemis qui attendent à nos frontières le moment de nous écraser. Au nom de tout ce que nous avons accompli, nous ne pouvons pas faiblir. Nous ne pouvons pas hésiter. Nous ne montrerons que faiblesse et hésitation tant que l'héritier d'une longue lignée de tyrans restera en vie et en notre pouvoir. Citoyens, un roi n'est pas un homme ordinaire. C'est un rebelle, un usurpateur des droits d'hommes ordinaires. Un roi doit régner ou mourir. Vous asseoir. La Convention nationale, en vertu de la souveraineté qui lui a été conférée par le peuple français, est chargé d'énoncer les crimes de Louis Capet. Tentative de corruption des députés, à commencer par Mirabeau. Tentative d'évasion. Massacre du Champ de Mars. Après votre retour de Varennes, le sang des citoyens était versé au Champ de Mars. Une lettre prouve qu'il existait une conspiration criminelle entre vous et Lafayette. Qu'avez-vous à dire ? Je ne savais rien de cette malheureuse affaire du Champ de Mars. Quant à la lettre dont vous me parlez, je n'en ai pas eu connaissance.
Mais elle est de votre main. Je ne me souviens pas l'avoir écrite. C'est incroyable. Vos frères, ennemis de la nation, ont rallié les émigrés sous leur drapeau. Ces émigrés-là font la guerre à la France. Vous ne les avez pas désavoués? Mais si, monsieur. J'ai désavoué toutes les actions de mes frères aussitôt qu'elles ont été portées à ma connaissance. Après vous être d'abord assuré que vous ne feriez pas de tort à leur projet. Vous êtes libre de vos opinions. Alors là, l'exagère. Il est prouvé que vous avez appelé les régiments qui défendaient la patrie à déserter. Jamais, monsieur. Jamais. Vous avez opposé votre veto au décret contre les prêtres réfractaires. Comme la Constitution m'en donnait le droit. Pourquoi avoir fait doubler la garde suisse aux Tuileries au début du mois d'août? Parce que le palais était menacé, j'étais une autorité constituée, il était de mon devoir de prendre des mesures défensives. Non, le 10 août, vous avez fait couler le sang des Français. Non, monsieur, ce n'est pas moi. Avez-vous fait construire une armoire avec une porte de fer aux Tuileries dans laquelle... Il sait que c'est sans espoir, mais il a du courage. Je n'en ai jamais eu. Je l'admire. Avant que l'Assemblée ne rende son verdict, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Oui, monsieur. C'est peut-être la dernière fois que je m'adresse à vous. Je déclare que j'ai la conscience tranquille. Mais ce qui blesse mon cœur, par-dessus tout, c'est d'avoir été accusé et d'avoir fait répandre le sang du peuple. J'ai tant aimé le peuple français. Et je croyais avoir donné tant de preuves de cet amour que jamais je n'aurais pu imaginer avoir à répondre à de telles accusations. Voilà, messieurs. C'est tout ce que j'ai à dire. Je te dis qu'on va te condamner, moi ! Je te dis qu'on va te condamner ! Je te dis qu'on va te condamner ! Élisez l'ami du peuple ! Quel mauvais joueur ! Demandez Élisez l'ami du peuple ! Demandez l'ami du peuple ! Carnot, c'est par fidélité au principe que tous les hommes sont égaux devant la loi. Je vote la mort. Colo d'Herbois. La mort dans les 24 heures. Vergniaud. La mort. Mais je demande qu'il soit sursis à l'exécution. Lindet. Ceux qui hésitent à frapper un tyran ne méritent pas le nom de républicain. Je vote pour la mort. Marat. La mort. Saint-Just. La République ne doit montrer aucune faiblesse. La mort. Brissot. La mort. Avec sursis. Robespierre. Je suis inflexible pour les oppresseurs. Parce que je suis compatissant pour les opprimés. La mort. Ouais. Desmoulins. Je vote la mort. Danton. La mort. Indonos inducas intentationem. Sed libera nos a malo. Amen. Priez Dieu qui me soutient jusqu'à la fin. Je suis prêt.
citoyen. Dites-moi ce que je dois faire, monsieur. Il faut enlever votre redingote et votre cravate. Ce n'est pas nécessaire, monsieur. Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort. Et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. Je sais que c'est un moment difficile pour toi. Crois-moi, je comprends. Tu m'as écrit une très belle lettre. Elle m'a fait beaucoup de bien. Oui. Je suis toujours plus à l'aise quand j'ai du temps pour penser avant de parler. Comme tu as pu le constater. Tu devrais parfois essayer de parler plus avec ton cœur et moins avec ta tête. Le fait est que nous avons à faire face à des émeutes de la faim ici, à des rébellions dans l'Ouest et à la guerre qui tourne mal. Pendant un moment, nous avons cru avoir écrasé l'opposition, mais elle renaît comme une maladie incurable. Des hommes qui avaient accepté la révolution, qui ont tout au moins reconnu qu'un changement était nécessaire, se sont maintenant retournés contre elle. Ils veulent une révolution respectable, un gouvernement modéré. Nous devons faire face, Georges. Ce sont les modérés qui sont maintenant nos ennemis. Nous y ferons face. Le tout est de savoir comment. Temps exceptionnel, mesure exceptionnelle. Dans une situation de péril, le processus légal ordinaire n'a plus sa place. Personne n'a un plus grand respect de la loi que moi, comme tu le sais bien. Mais si la loi cesse d'accomplir ce pourquoi elle a été créée. Une justice sommaire. C'est ça que tu veux. Ce que je veux, c'est un nouveau tribunal révolutionnaire. On nous traite déjà de dictateurs. Ils en profiteront pour en rajouter. Nous n'avons plus le choix.
Tout au moins jusqu'à ce que nous ayons repris la situation en main. Tu sais que j'ai raison. Tu as toujours raison. Et je sais qu'il n'y a que toi qui puisse faire changer d'avis ceux qui à la convention s'y opposeront. Nous devons travailler ensemble, Georges. Nous pouvons le faire. Tu vois, tu parles avec ton cœur et là, tu m'as convaincu. Ne touchez pas! Qu'est-ce que vous faites? Désormais, l'éducation de l'enfant doit être confiée au citoyen Simon. Non! Lâchez-le! Non! Le conseil municipal l'a décidé, on exécute les ordres. Non! Lâchez-le! Allez, viens, on fera toi un bon cordonnier! Avez-vous conduit vos troupes ici? J'exécute les ordres de la Commune de Paris. La Convention vous ordonne de vous retirer. Nous nous retirons comme vous nous aurez remis les 22 traîtres qui sont protégés par cette Convention. Je vois ici Chaumette et Hébert, qui représentent la Commune de Paris. Il serait convenable que cette convention leur accorde son respect et toute son attention. Je leur demande de faire connaître à la convention les noms de ceux qu'ils dénoncent. Vous n'oseriez pas ! Je demande que cette liste puisse être lue sur le champ. Et je demande l'arrestation de tous ceux que l'on va nommer. Eh bien, qu'attends-tu, citoyen président ? Barbaro ! À mort! Uzo! Non! Renonçons! Chambon! Gardieu! Jansonnet! Romère! Dorsas! Le tribunal, après la déclaration unanime du jury, condamne la dénommée Marie-Antoinette, dite Lorraine d'Autriche, veuve de Louis Capet, à la peine de mort et déclare, conformément à la loi du 10 mars dernier, que ses biens soient confisqués au bénéfice de la République et ordonne qu'à la demande de l'accusateur public, le présent jugement soit exécuté place de la Révolution et qu'il soit imprimé et affiché dans toute l'étendue du territoire de la République. Merci, Rosalie. Merci pour tout. Tuez la guillotine! Qui n'a pas sa guillotine, qui n'a pas sa cocarde, et va sous la cocarde.
propos de cette loi est clair, citoyen. Nous connaissons nos ennemis. Ceux parmi nous qui continuent à souhaiter que nous perdions ces guerres. Mais ils ne se moqueront plus longtemps de nous en proclamant que nous ne pouvons pas prouver leur trahison. C'est simple. Obligeons-les à prouver leur propre innocence. Tous ceux qui ne pourront pas apporter une preuve tangible de leur engagement pour la révolution seront automatiquement passibles d'arrestation. Nous proposons aussi d'élargir le rôle du tribunal révolutionnaire. Pour le moment, seule une section siège régulièrement. Nous proposons d'en ajouter trois autres pour aider à mener à bien cette importante tâche patriotique. En résumé, citoyens, désormais, la terreur est à l'ordre du jour. Et la vertu, citoyens, la vertu sans laquelle la terreur est funeste. La terreur sans laquelle la vertu est impuissante. Personne n'a été condamné sans motif. Maxime, les gens sont en prison parce qu'ils ont dit bonjour une fois à un prêtre réfractaire. Ou parce qu'ils disent du bien de Mirabeau, ou parce qu'ils ont de la famille à l'étranger. Parfois tu es naïf comme un enfant, Camille. Dois-je te rappeler que nous sommes toujours en guerre? Justement, nos armées ont exterminé des milliers de personnes en Vendée, un peuple entier. Des traîtres et des rebelles. Nous sommes en train d'étrangler la liberté dans son berceau. Laissez passer. On la promène. Sans arrêt. Place de la Révolution, les gens se sont plaints de l'odeur du sang. On l'a déplacée vers la Bastille, c'était la même plainte. En plus, les gens disent que ça dévalorise leur propriété. On l'a déplacée 4 fois, c'est toujours le même problème. Alors finalement, ils la remettent d'où elle est partie. Général, je veux votre rapport demain matin. Oui, citoyen. Danton est de retour. Avec Desmoulins. J'ai peine à reconnaître cet endroit. C'est devenu un véritable repère de factions rivales, de mensonges et de démence. À l'extérieur, je vois des églises que l'on profane, des prisons pleines de pauvres diables, dont le seul crime est de ne pas être fanatique. Est-ce là cette république que nous avons décidé de créer? Je propose, en première urgence, que la Convention mette en place un comité de clémence pour examiner la liste de tous ces suspects qui sont en prison et déterminer s'il y a une quelconque raison de les y maintenir ou non. Qu'est-ce qui s'est passé, toi et moi? Nous qui avions souhaité les mêmes choses. Nous n'avons jamais souhaité les mêmes choses, vous et moi. Liberté, justice, égalité. Des mots.
Vous n'avez jamais compris que si ce n'est la simple vertu du peuple qui seul nous guide... Oh, la vertu du peuple ? Bien pas l'abstraction. Vous, bien sûr, pensez que chacun est aussi corrompu que vous-même. À tes yeux, la seule preuve de vertu est une totale obédience à Maximilien Robespierre. Ceci ne rime à rien. Hors de mon chemin. Comment ça s'est passé ? Il m'est arrivé d'être plus diplomate. Le comité aurait-il peur de cet homme ? C'est intolérable ! Danton a beaucoup de partisans, voilà la vérité. Et vous le savez, citoyen. Danton pense qu'il est trop puissant pour être attaqué. Et si nous sommes maladroits, il aura raison. La surprise est notre meilleure, peut-être... notre seule arme. Je pense que nous sommes tous d'accord pour que l'arrestation de Danton entraîne celle de Camille Desmoulins. C'est inévitable. Nous sommes d'accord sur ce point. J'accepte la volonté du comité. Maxime, je vous en prie, écoutez-moi. Comment pouvez-vous faire ça à Camille, votre plus vieille amie? Comment vous pouvez oublier ce que vous avez été l'un pour l'autre? Maxime, je vous en prie. Maxime, je vous en prie. Vous êtes préparé à un autre enfant! Maxime, écoutez-moi! Dites-moi quelque chose! Maxime! Silence! Oui, je vais évacuer la salle! Il me semble que vous auriez du mal, non? Je rappelle aux accusés le respect qu'ils doivent à cette cour. Et moi, je rappelle aux citoyens présidents tout le respect qu'il doit à la justice. Ouais. Aucun accusé n'a été informé en bonne et due forme du délit dont il est accusé. Ouais. Silence. Sanson, prends cette mèche de cheveux. C'est les cheveux de ma femme. Envoie-les à sa mère. Tu montreras ma tête au peuple. Elle en vaut la peine.
Maintenant. Vous êtes des faibles et vous ne comprenez rien. La loi de Prairial a été introduite uniquement pour punir une demi-douzaine de traîtres à la Convention. Vous avez exécuté plus de personnes pendant ces deux derniers mois que pendant ces deux dernières années. Moi, j'ai exécuté. Oui, vous. Votre justice. Votre loi. Ou votre absence de justice. Alors, souhaitez-vous voir encore d'autres procès comme celui de Danton? Il n'y a plus de procès. Il n'y a que des exécutions. C'est un mensonge. Vous avez placé vos propres hommes triés sur le volet à tous les postes clés. C'est encore un mensonge. Citoyen président, je demande la parole. Robespierre vient d'arriver. Moi, qui suis né esclave de la liberté, on m'appelle un tyran. Moi qui ai vécu le martyr pour la République, on m'appelle un dictateur. Pourquoi? Qui répand ces mensonges? Qui les avance si délibérément pour vous tromper? On nous dit que la guerre est gagnée et que tout va bien. C'est un mensonge. Vous n'avez rien perdu, il vient juste de commencer. On nous dit que la loi de Prairial et le tribunal révolutionnaire aujourd'hui ou jamais. Sont des instruments de la même à la Convention qui les soutiennent. Je suis venu ici révéler une vaste conspiration. Un moment, citoyen! Il faut épurer les comités et rendre toute son autorité à la Convention nationale. Citoyen! Je dois te demander de nommer ceux à qui tu fais allusion. Ce n'est pas le moment. Ce discours incrimine nos deux comités et des membres de cette convention. Robespierre doit nommer ceux qui l'accusent. Des noms. Oui, des noms. Des noms. Des noms. Des noms. Des noms. Parmi nous qui nous préférerait mourir plutôt que de continuer à vivre sous la coupe d'un tyran. Mort au tyran ! Mort au tyran ! Allez, ralentis!
Nous avons brisé la tyrannie des privilèges en abolissant ces pouvoirs auxquels n'avait droit aucun homme. Nous avons mis fin au monopole de la naissance et de la fortune dans tous les grands offices de l'État, dans nos églises, dans nos armées, dans toutes les parties de ce grand corps magnifique de la France. Nous avons déclaré que l'homme le plus humble de ce pays est l'égal des plus grands. Cette liberté que nous avons acquise pour nous-mêmes, nous l'avons offerte aux esclaves. Et nous confions au monde la mission de bâtir l'avenir sur l'espoir que nous avons fait naître. C'est plus qu'une victoire dans une bataille, plus que les épées, les canons et toutes les cavaleries de l'Europe. Et cette inspiration, ce souffle pour tous les hommes, partout, en tout lieu, cet appétit, cette soif de liberté, jamais rien ni personne ne pourra l'étouffer. Nos vies n'auront pas été inutiles. Nos vies n'auront pas été vécues en vain.